unité, 1199, exécuté code 3, hôpital psychiatrique Beacon. 184 reçu, code 3, on y est dans 3 minutes. Compris, 184. Désolé, inspecteur. Je sais bien que vous venez de boucler, mais je crois qu'on va devoir faire un détour. Qu'est-ce qui se passe? Une émeute? L'appel a été lancé avant que je passe vous prendre. Homicide multiple, il paraît. Il y a déjà une douzaine d'unités sur place. 131, répondez. Eh, c'est peut-être le fantôme de Zocdeur qui est devenu dingue et qui a charcuté ses patients. C'est pas ça du tout. Des patients ont disparu. Et on n'en sait pas plus. Ouais. Ça reste flippant quand même. 127, 124, répondez. Joseph, tu penses qu'il y a un lien? C'est bien possible. C'est sous-scellé, mais j'ai mes sources. Si vous êtes sur place, répondez. Centrale, inspecteur Castellanos dans la 184. Quelle est la situation, à vous? 184. Des problèmes sont arrivés à toutes les... sur place, Boreal Beacon. Est-ce qu'il y a des... Mortel! Putain! Et vous, inspecteur Kidman? Qu'en dites-vous? Pas grand-chose. Je pense qu'on en saura plus une fois sur place. Conley, contactez le central et faites-leur un rapport. Joseph, Kidman, avec moi. On va aller jeter un coup d'œil. Ok. Bon, et bah c'est parti. Alors, je sais pas c'est quoi ce bordel avec le crash juste avant. Ça a bugué, je suis dégoûté. Bon, premier chapitre. J'espère que tout le monde va bien. Alors Kidman suspecte hein, direct. Hein. Il y a comme une odeur de sang. Ok, fais gaffe. On va voir à l'intérieur, que personne d'autre ne passe cette porte. Je pourrais me rendre un peu utile. On sait pas ce qu'il y a là-dedans. Restez en soutien. Tu as entendu ? On a un survivant. Vous êtes blessé? Que s'est-il passé? C'est pas vrai. Impossible. Reviquet. Je m'en occupe. Tu devrais vérifier les caméras de surveillance. Putain de merde.
Ok. C'est là qu'on rentre en scène. Encore un peu. Et c'est parti. Donc là, on perd pas de temps, on ramasse les clés et on se casse direct. Il nous voit pas. Et c'est parti. Toujours impressionnant cette scène. Donc là, on va ramasser le premier document. Où est la sortie ? De là. Voilà pour ceux qui veulent lire. Allez checker sur YouTube. On passera essentiellement la lecture des documents. Et il y en aura un autre à pas oublier juste au haut de l'échelle.
Et là, il me semble qu'on a fait le tour des collectibles pour le premier chapitre. Par où déjà? Par là. Ok, donc là il pète un plomb là. Et voilà. Et là on se barre. Voilà la strat. Normalement ça se passe bien. Sans faire exprès je me suis mis en détente. Je voulais me mettre en survie mais j'ai mis en détente sans faire exprès à cause du bug. Je me suis précipité et j'ai mis détente. Mais là la strat est simple. Hein. Voilà, on balance une bouteille. Comme ça on l'éloigne. Et là ça passe crème. Là, il n'y a pas grand chose à faire. On va avancer un max. Toujours la gâchette vers le haut. Twisting me around, there is nothing I can do. This world doesn't spin, it just turns itself. Jokes tied in the noose. Bon bah pas mal cette petite intro. Avec le boucher à la tronçonneuse, ça commence bien. Bon déjà on marche mieux là. Bizarrement. Regardez comment il court maintenant. Trop fort. Là on se barre, clairement.
inspecteur. Montez, montez. Joseph, je suis désolé, mais il est pas ressorti. J'ai attendu, mais... Allez, calme-toi, Leslie. Calme-toi, Leslie. Merde, on pourra pas y retourner. Fais chier. On peut contacter personne. Tout le monde est sûrement mort. Comment ça va à l'arrière? Quelques bleus, mais ça va. Ça va. Ça ira mieux quand on sera loin. Ça va. Ouais, un peu plus loin et tout ira bien. Ça va. On tombe. Attention. Qu'est-ce qu'il y a? On tombe. Chapitre 1 terminé. Bon, t'as plus de sauvegarde quand même.
Ok, donc c'est reparti. Là, il y a un document. Découvert de corps. Passe. Et le premier pot de gel vert. On est réveillés. Tous les autres vont bien ? Où suis-je ? Mais de quoi parlez-vous ? Il n'y a que vous ici. Pour le moment. Un hôpital. Ce lieu est important pour vous. Vous êtes toujours le bienvenu ici. Je suis à l'hôpital ? Je crains de ne pouvoir vous répondre. Je vous en alors prie, ici. Inscrivez-vous ici. Ça fait deux fois qu'il me coupe la parole. Ici, et de l'autre côté, il y a souvent des collectibles à avoir. Il me semble. Si vous ne signez pas, nous ne pourrons pas conserver vos prochains souvenirs. Bon, voilà, elle veut qu'on sauvegarde. Sans le médicament. Et là, derrière le fauteuil. Surtout pas oublier. Tout va bien. Détendez-vous. Asseyez-vous donc. Qu'est-ce que vous faites ? C'est pour votre bien. Ne vous débattez pas. Non ! Arrêtez ! Vous voyez ? Voilà, tout va mieux. Est-ce que je deviens dingue ? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Je vous attends. Chapitre 2. Merde. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Kidman, où êtes-vous ? Conley ? Et là, faut chercher la lumière. Par là. Si je me trompe pas, on fait pour y aller. Hey.
Ok, ça c'est fait. 4 balles, pas mal. Ça fait mal. Oh là. Tu voulais me prévenir du piège ? Leslie, c'est ça ? Je suis inspecteur de police. Je devrais pouvoir t'aider. Pouvoir t'aider ? Merde. Comment je vais faire pour t'emmener à l'hôpital ? À l'hôpital. Bordel ! Maintenir. Bonjour, très cher. Ouais, je passe un bon week-end, ouais, ça va. Merci à toi. Et si, je suis à l'aise. J'aime bien ce jeu. Ça dépend des jeux. Il y a des jeux d'horreur. Voilà, les allumettes. Ça peut aller. C'est tout. Ouais, je l'ai déjà fait, ouais. Ça fait un petit moment maintenant, mais je l'ai déjà passé quelques fois. Premier journal de Sébastien. À retrouver également sur YouTube. On lit tout. Je trouve que ça fait des streams beaucoup trop longs après. Bon, la forme, non ? Perso. Ouais. Merde. Encore ici ? Ouais, ils sont bien aussi les DLC, ouais, c'est clair. Je crois que je perds la tête. Je ne sais plus si je rêve ou pas. Je rends cavale. Il y a un avis de recherche. Leslie. Là, je crois qu'on peut pas faire grand chose. Hein. Bien ici, mais je crois que c'est une perte de temps. Faut économiser un peu pour l'instant. La première statuette. Tu l'as fait toi, Ridolin ? Il m'a pas renvoyé la question. Première clé.
Hey, excusez-moi, vous êtes du coin? Je suis paumé et... Je ne peux pas continuer. Visée automatique. Et t'as préféré lequel? Ah, l'autre il vient pas. Bah si, il y est passé aussi. Ah, je tape dans le vent là. Si vous qu'il y a des pièges. Et là, comment ça se passe déjà? Parce que... On voit même pas ce qu'on... Ouais, c'est pas faux. Et dans tout ça, tu vois la différence aussi entre un jeu japonais et un jeu américain. Sans dénigrer l'Amérique, évidemment. Alors ensuite, on va aller où? Avec ça... Ce serait bien d'aller s'occuper de celui qui est là-bas. Ça.
je pense qu'au début, il faut vraiment essayer de minimiser les armes à feu. Il faut vraiment apprendre à se faufiler pour le peu d'ennemis qu'il y a. Ne mange pas de pain. Faire le tour. Deuxième fragment. Je crois que c'est là qu'il y a un zombie. Encore une clé. Je crois qu'on a fait le tour. Alors lui, il est... Il y en a pas loin. Qu'il est à l'intérieur. Bon. Grillé. On va se dépatouiller de ça vite fait là parce que... En trop de temps. Merde. Oh non. Bon. On part un peu là.
pour la cause. Bon, ça prend trop de temps. Normalement, je crois qu'on a fait le tour. Peut-être le bâtiment là. Mais attends. Okay. Dans le speed. Ça veut pas le prendre, hein. L'avoir. Je vais l'avoir sans coup de feu. Je vais l'avoir. Il repart là-bas. Ok. Là, normalement, on a fait le tour. Un piège là-bas. Récupérer des pièces. Le troisième. Demi-tour. Je reste ici. C'est pas vrai. Et la fin du deuxième chapitre.
Allez. Chapitre 3. Ça paraît que ça va commencer à se gâter. Rien lâché. Par contre, il va y avoir plein de trucs à récupérer ici. Merde. Un journal. Et là, faut retourner. On a déjà un peu économisé de gel vert. Là, par contre, faut en utiliser. Pour en avoir besoin. Il y a des dossiers où c'est ramassé. J'ai quelque chose pour vous. Non, j'arrive. Veuillez me suivre. Où est-ce que vous m'emmenez ? Beaucoup de savates dans la porte. Vous n'êtes pas très causante. Là, il y a un casier qui est bien. Au début. Si je me trompe pas, c'est lui. Ou lui. Inspecteur Castellanos ? Possédez-vous une clé comme celle-ci? Cette clé vous permettra d'ouvrir un de ces casiers. Et merde. Ah, je sais plus. Le contenu vous appartient. Revenez me voir quand vous voulez. Ah merde. Tant pis. Normalement, je devais choper des carreaux explosifs. Légèrement amélioré, pareil, ça c'est une tuerie. Et là, j'en ai pas. Alors, dans les aptitudes, déjà, ce qu'il faut... Oh là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le temps de sprint. Voilà. Ça fonctionne bien. Dommage qu'il y ait pas assez pour faire ces deux-là. Il en manque très peu. Alors, est-ce que je garde pour l'instant et... Et je tape ça après et peut-être... Ouais, je vais y aller comme ça. J'aurais peut-être dû faire au moins un des deux.
à faire le temps de... Bah oui. Oui. Je vais faire survenir donc. On fera, on va faire la vie. Alors par contre on n'a pas sauvegardé. Normalement ils sont assez simples en mode détente. Ça passe. Peut-être ça. On a tout ce qu'il nous faut. Ah. Dans le buffet, non, il n'y a rien. Ah si. Tu veux dire que tu commençais le jeu sans jamais utiliser le flingue? C'est ça que tu veux dire? Beaucoup de points. Tirez pas. Je ne suis pas comme eux. Je suis docteur Marcelo Jiménez. Vous étiez dans l'ambulance avant l'accident, c'est ça? Oui, on l'a échappé belle. Vous n'avez pas vu les autres? Seulement mon patient, Leslie. Je l'ai vu fuir par là, mais... Mais? Voyez par vous-même. Mais pas un bruit. Voyez par vous-même. C'est... choses. Elles m'ont poursuivi jusque dans le village. Moi aussi. Il y en a partout. Leslie est passée par ce portail. Seigneur. Il y en a trop pour qu'on passe en force. L'un de nous pourrait tenter de les éloigner pendant que l'autre ouvre le portail. Vous êtes le seul à être armé. J'ai des doutes. Bon bah ça c'est la bonne stratégie hein, c'est vrai que les munitions c'est vachement important. Bah. Ça se casse pas. Donc normalement... Voilà. Ces maudits pièges. Il y a une manivelle sur la terrasse. Actionnez-la pour que je puisse passer. Par ici! Là! Hé! Hey, par ici! C'est ça! Suivez-moi! Il va juste réussir à se faire tuer. Oh non, mais non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, d'accord, c'est pour regarder. Ah ouais, je suis en train de me faire défoncer. Oh là là, demi-tour. Comment ça? Hop. Il a même pas pris feu.
pas possible. Ah, c'est nul. Il aurait dû brûler avec. Un très mauvais début. C'est très très mauvais. Il y a un piège, je sais plus où. Carrément, tranquille. Et viens. Non, il vient pas, mais c'est pas possible. Thank you.
Oups. Ça fait longtemps que je parle avec le micro fermé. Désolé. Ah, je racontais pas grand chose tout le temps. C'est vraiment un live de bas niveau, hein. Un truc bon. Hein. On va s'attendre à du lourd. Comment vous avez fait pour l'ouvrir si vite? Si vous voulez tenter. Ah l'enfoiré. On n'a pas de temps à perdre. Nous devons absolument retrouver Leslie avant. Qu'on a expérience numéro 4. Sujet numéro 4 à 13. Activité cérébrale réduite. Mais synchronisation réussie. Les sujets devraient commencer. Oui, je l'ai pas mis. Voilà. Bon, il est... On a vu. On va voir où. Il l'a cherché. Hein. Trop tard, non? Ah oui, même beaucoup trop tard. Allez, viens. Allez, 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 allez. Il y a beaucoup de ménage à faire en fait dans ce chapitre. Vraiment concentré en fait sur le village. Et c'est méga long. Cœur aveuglant. Bon, c'est un peu la fête ici. Normalement en mode survie je crois qu'il n'y a pas de carreau. Juste du gel et des balles de pistolet, ça. Mieux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on se fait? Ah oui d'accord, il y en a encore là. Deux là-bas, je les avais même pas vus. Bon, je peux me les faire. Aïe aïe aïe. Bon, on voit la chandelle. Wow.
Roméo. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Je suis en train de me disperser sans le franc dernier. Sans le franc dernier. Ah, à ramasser. Les pièces, hein, super important. L'arbalète, c'est la vie dans ce jeu-là. Indispensable. Mais ça pas mal. Pas bien la hache. Et on y est déjà venu. Pareil, on est déjà venu. Oui, bah c'est plus par là. Attends, on va redescendre par en bas. Je suis pas mort. C'est chaud là. Ah, pas vu. Pas vu où. Ah merde. Ouais, c'est vraiment de la chance, ouais. J'avais pas un autre à utiliser là. Et c'est mieux. Alors là. Ouais, un HP, ouais, c'était vraiment, vraiment, vraiment chou patate, ouais. Je sais pas comment... J'arrive pas à m'en remettre. Je casse, pas. Un piège. Des longs chapitres. Je vais vraiment faire le tour, c'est...
Allez, piège-le. Oh là, il est chaud au cul. C'est bon. Y'a pas un autre? Non. Je vois pas où c'est. Faut battre, ça va. Honnête. Pas mal. Merde. Bon, ça commence à être calme. Hein. Je pense qu'on va pouvoir commencer à faire le tour de cette zone. Piège pas loin. Là. Entendu. Je vais devoir te laisser des invités qui doivent arriver. Il faut que je prépare les plats. Ah oui, effectivement. Eh bah écoute, bah bon courage à toi. Passe une très bonne soirée. Merci d'être venu et puis à bientôt. Ça roule, y a pas de problème. Là tout en haut, on trouve une statuette. On y arrive. Et à fond.
pas descendre. Et voilà, c'est comme on a fait tout à l'heure, ok. Voilà, perso. Je vais retourner à l'hôpital. Ah, il y a un qui m'a vu. Où est-il ? Voilà, paix. Bon, je fouille la cellule au cas où. Quelque chose ne va pas. Une clé, on va et au cas où. On peut récupérer un euro explosif. Le top. J'ai même trois clés. Ah, ça doit être aléatoire. Une. Et des codes. Pour commencer, c'est pas trop mal, hein. Honnêtement. Donc, Primo, on améliore les carreaux explosifs. Deux fois. Ensuite, on va. On va augmenter ça. On va retourner aux. Je pense. Plus grand chose. Ah oui, évidemment. Comme ça, je peux récupérer le dernier carreau. Sauvegarde. Passage. Pas un. Ben non. Ah
comment qu'on fait déjà? Hop. Ah mince. Bon. Allez. Pour le plaisir. Et on récupère la tronçonneuse. Ça pourrait être utile. Les clés. Chapitre. Contre, pas plus du tout. Et casse. Attendez, il y avait une vidéo en plus. Attendez, officier, ne me laissez pas derrière. C'est inspecteur Castellanos. Leslie ne doit pas être loin. Il faut absolument qu'on le retrouve. C'est la fin du chapitre 3. L'hospice. Et bien sûr, c'est là que Leslie était traitée. Il a dû venir ici pour se sentir en sécurité. Vous savez où on est? Mon frère est le directeur de cet hospice là-bas. Il nous aidera. Ça ne répond pas à ma question. Honnêtement, j'en sais rien. Si ça se trouve, je perds la tête et me n'être qu'une hallucination. Mais autant croire qu'il me reste une once de dignité. Je dois absolument protéger mon patient. Et en tant qu'inspecteur, vous devriez... Allez. J'espère que son frère est un peu moins con. Alors on va commencer par ici. Normalement, voilà. Je sais pas si je vais y arriver, mais... Cinquième fragment. Ça part là, il y a rien.
l'ordre déjà. Fantôme. Rien de spécial d'autre. Hein. Je dois retrouver mon patient Leslie. Ensuite, là où je sais plus. Oh, c'est fermé aussi, c'est ça. Là, descends pas en bas. On va plutôt continuer par là. On va faire ça d'abord. Je crois que j'ai pas de clé. Voilà, ouais. Chose à ramasser absolument. Portail disparu. Non, ça je vais pas. Et puis on peut pas aller dans le miroir, donc ça nous impose en fait d'aller au fond. C'est quoi de beau à faire avec 1900 là. Important.
Oh non! Par là! Non! Non! Oh non! Par là! Non! Beaucoup de nouvelles admissions, mais pas un seul de sortie. Vous n'avez pas bonne mine. Faites attention à vous. On peut se permettre une sauvegarde, on a déjà un peu fouillé. De main. Bill Gelver. Ensuite, il faut. Y'a rien du tout. C'est pas ici l'entrée. Elle est de ce côté. C'est moi. Le bon docteur est là. Voici mon frère Valerio, le premier docteur de Leslie. Décortiqué. Exposer l'intérieur. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites ? Ce qu'il a fait à Valerio. C'est impossible. Ça ne peut pas être Vic. Allez, allez, plonge la main. Ah!
Tout ça aura mérité un trophée, une clé. Mais en soi, c'est pas un passage obligatoire. Si on veut continuer l'aventure et suivre Leslie, on peut. Mais c'est quand même intéressant de le faire. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Leslie ? Ça venait de dehors. Oui. Oui. Ça arrive de rien du tout. Voilà. Beau travail. Rien. Descendu. Et il me semble que si vous ramassez pas le fusil à cet endroit-là, au précédent chapitre, je veux dire, vous pouvez l'avoir ici, il me semble. Pas le moment de rêvasser. Leslie. Au secours. Oh, Dieu soit loué. Le docteur Jimenez est là. Tu calmes. Attendez, Doc. J'entends quelque chose. Quelque chose. Hop. Et... C'est terminé. Vous êtes toujours là. Oui, on est toujours là. Il y avait Belle. C'est un vrai coupe-gorge ici. Est-ce qu'on peut trouver un lieu sûr ? J'en doute fortement. Pas d'issue. Pas d'issue. Nous devons y aller. Par ici. Personne ne peut fuir. Personne ne peut fuir. Les escaliers ont disparu. Je commence à croire qu'on perd vraiment la tête. On perd la tête.
On perd la tête. On perd la tête. On perd la tête. On perd la tête. Mon Dieu. Non. Ruvik. C'est bien toi. Mais vous êtes qui, vous? Non! N'y allez pas! Qu'est-ce que... Docteur? Leslie? Merde. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, encore un passage assez intéressant. Tout de suite maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Il faut... semble-t-il aller au levier qui est là-bas. Une clé à ramasser, mais je sais plus où. C'est pas passé grand chose, donc c'est pas ça. Normalement, bien normalement, levier là. Là. La statue, voilà, c'est là qu'on voulait. Côté, après on va pouvoir lancer l'attaque. Oh là là. Ah, c'était chaud. Deux, quatre. Okay.
avait quoi dans cette salle là déjà? Bon, on a fait tout le tour. Ok, allez, c'est parti pour nous. Merde, faut que je dégage. Alors normalement ça passe en le décrochant, mais je vais pas le décrocher. Alors c'est un boss extrêmement compliqué et puissant. Ça passe. Évidemment. Vache, c'était juste. Eh oui, m'étonne. Et là, attention les yeux, on va faire apparaître le Vic, voilà. Et là, on se taille. Jusqu'en haut. De toute façon, on ne pourra pas aller plus loin. Voilà le travail. Mais ce sera bon pour aujourd'hui. 4 chapitres, impeccable.